You are now watching the M2 Show. Ah, juste un petit cadeau pour honorer notre frère, pour la fierté qu'il fait pour notre pays. Oui. Je pense que c'est aussi une expression pour dire que, en dépit de ce que notre pays est en train de subir, nous sommes en train de défendre la couleur de notre pays. Ça, c'est un grand artiste en dehors de ce qu'il est en train de faire. En dehors de lui, nous avons aussi d'autres talents qui sont en train de se développer dans notre communauté. Un exemple de ce que nous sommes capables de faire dans notre communauté. Et c'est tant qu'avec lui. Voilà, on peut applaudir pour mettre une chinomouka, ça s'il vous plaît. Alors, DJ Menga, vous voyez, vous êtes en famille. Est-ce que, on sait qu'on n'a pas assez de temps, mais on remercie encore comment notre frère Isla, pour son impatience. Donc, d'abord, j'aimerais vous remercier parce que ça se fait pas ça dans la communauté congolaise. C'est pour la première fois que je vois ça. J'ai eu beaucoup de cadeaux, beaucoup de remerciements, mais mes propres frères et sœurs, je n'ai pas eu. C'est la première fois. En tout cas, je suis très heureux. Je suis vraiment très reconnaissant, humblement, devant vous. En tout cas, je suis très, très reconnaissant. Est-ce qu'on peut reculer un peu si vous... Peut-être le moment n'est pas bien choisi parce que on a joué tout à l'heure là et moi je suis blessé parce que j'ai pas joué. Mais je t'ai dit quand même à venir pour le respect quand même. Malgré la conjoncture actuelle, mais on est là, il faut se soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment je vous remercie, vraiment ça me va tout droit au cœur. Et comme toujours, j'aimerais remercier aussi les aînés qui étaient là avant nous. C'est à cause d'eux que nous sommes là aussi. En l'occurrence, Mutombo Dikembe. Donc, pas seulement des frères congolais, mais aussi Hakim, tout qui ont été là. Des frères africains. Donc, en tout cas, c'est ce que je peux vous dire. Nalinga là, Ona pour la Kisa, les Arara, Tolinga là. Et essayons de se soutenir. Le pays va mal, c'est vrai. Mais nous qui sommes dehors, nous voyons mieux ce qui se passe là-bas et nous pouvons mieux aider. Donc il faut éviter des histoires inutiles et surtout communauté, il faut tout à la unir, surtout à la souder. Hein, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et notamment avec ma fondation que je suis en train de faire. Mais ceux qui vraiment tout à unité, moyen, tout à là, le problème, et l'autre, il faut que ça la boule, là, un niveau en boca et vous arrêtez. Comment dire? Donc, c'est basé un peu sur tout ça. L'éducation, surtout moi, je suis plus dans l'éducation. La fondation s'appelle Mbenga Foundation. Je suis basé surtout dans l'éducation. Hein. Donc, na Congo, na Belgique, un peu partout. Donc, vraiment, on a saigné nous. Merci Mingi. Essayons de voir un coup. Comme j'ai dit avec J.I., peut-être l'été, on va essayer de faire un gros truc où je veux venir vraiment pendant deux jours, on sera sous place. Faire un truc, s'il faut organiser un petit concert, je sais pas, on va le faire. Donc là, pardon. On est connu, mais ça, on a mis dans le cas là. J'ai mon jeune frère qui est là, qui vient juste après moi, Kali, qui vit à Dallas. Avec d'autres frères. Mais celui qui va danser les Malais. Ils sont là, qui vivent à Dallas, qui ont tenu à être là quand même pour. Ouais, c'est gentil. Pour être en famille. Uh-huh. Donc, le nombre, c'est pas important. L'important, c'est les gens qui sont là. Ouais. Et cet amour-là que vous m'avez montré et que moi je vais essayer de donner par rapport à mon travail de rester toujours humble, de rester accessible à tout le monde. C'est ça d'ailleurs le secret pour réussir. Alors vraiment comme Didier a dit, essayez de ne pas applaudir pour lui s'il vous plaît. Alors Didier n'était pas venu seul, il est accompagné de son propre petit frère.
Kalim Benga qui est ici. Si on peut vraiment l'applaudir, s'il vous plaît. Il vient de Dallas, il est venu juste pour soutenir cette communauté. Et il y a aussi son cousin, Rendy, qui est ici à côté. Merci beaucoup d'être là. Alors, Didier, toute la communauté est là. Vous allez vous asseoir et puis on va continuer à présenter tout le monde qui est venu ici. S'il y a des gens qui ont besoin d'une photo avec Didier, je crois que vous serez disponible à le faire. Et Didier va danser un peu des manœuvres, comme on dit. Alors, ça va faire plaisir. Alors, merci à Christian, merci à Roger Moutou, et merci à tout le monde d'être venu. Et Roger Moutou, tu as encore la parole. Merci, G.I. DJ, je crois que tout le monde est prêt. Voilà, si la musique, si vous voulez pas. Oui. Tonight with M2 Production. Lighting, Soul Union. Production is the best! Very professional. The best of the best.
c'est Roger Mounturaja avec le M to Show. Je suis ici avec Didier Mbenga, ici à Washington DC, où il est venu dans la communauté congolaise recevoir des prix et aussi voir les membres de la communauté congolaise. Encore une fois, vous êtes en train de suivre Roger Mountou sur le M to Show, live avec Didier Mbenga. Didier Mbenga, bonsoir. Bonsoir. Ça nous fait vraiment plaisir, comme tu le vois ici, l'ambiance qui se passe ici, comme on venait de l'annoncer. Que tu sois venu ici, nous savons comment tu es fatigué et que tu es venu de Toronto directement ici. Mais je voulais juste savoir un peu, c'est quoi ton sentiment quand tu viens ici, live, voir comment tes frères et sœurs t'accueillent ici, live. Bah écoute, le sentiment, c'est le sentiment d'amour. Hein. C'est le sentiment, le respect que j'ai envers la communauté. La manière dont ils me l'offrent, donc on retourne.